Alors, bonjour à tous et bon dimanche. Merci d'être là, d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et c'est unique. Et c'est incontournable. Vous devez venir faire un tour ici si vous parlez la belle langue de Molière pour comprendre ce qui se passe, comprendre tous les événements qui se produisent aussi, et mettre ça dans un contexte global et rationnel. Comprendre les changements climatiques, comprendre le grand minimum solaire est plein plein d'autres événements qui nous attendent et qui vont changer la vie de centaines de millions, voire de milliards d'individus, c'est-à-dire qu'on sera tous touchés, d'une façon ou d'une autre. Notre vie a déjà changé, le monde est déjà fini, celui qu'on connaissait, et on est entré dans un nouveau monde. Chers amis, c'est le dimanche 12 mai 2019, 5h53, je vais vous partager un lien qui m'a été envoyé par un, un abonné, et on ne perd pas plus de temps que ça, on va aller lire ce lien, et ça... Parce qu'on sait qu'on attend tous quelque chose de majeur, et ça s'en vient plus vite qu'on pense. Sans plus tarder, on va aller lire ça ensemble, puis vous tirez vos propres conclusions, puis on se retrouve de l'autre côté pour d'autres informations. Donc, c'est un résumé concernant un, le flash solaire attendu, un événement relativement proche, peut-être. Deux preuves scientifiques montrant que 2020 est l'année la plus probable pour que cette micro-nova solaire se déclenche avec toutes ses conséquences et comment s'y préparer. La fenêtre de l'ascension a ouvert sur cette planète le 25 mai 1975, a eu son point tournant le 11 août 1999 et fermera le 7 juillet 2025. La période de temps de cette fenêtre a son fondement dans le fait scientifique que le solstice solaire est complètement aligné avec l'équateur galactique pendant la période de temps 1975 et 2021 et cet alignement est parfait pendant la période de temps 1980-2016. L'alignement du solstice d'été, un euh, solstice solaire et de l'équateur galactique se produit deux fois dans le cycle de Précession de 26 000 ans. En fait, le, six, le cycle de précession est parfaitement entraîné avec le pouls du cœur galactique qui envoie une super vague galactique dans les bras spiraux de la galaxie tous les 26 000 ans. Donc, chaque alignement du solstice solaire et de l'équateur galactique se produit précisément au même moment que la super vague galactique, soit une grande vague qui se produit tous les 26 000 ans, ou bien une moins forte au milieu du cycle qui se produit 13 000 ans après la Grande Vague. Une grande partie de la destruction de Maldek était due à l'activité solaire associée à un éclair solaire micro-nova. Après, après le prochain flash solaire, l'humanité assumera l'entière responsabilité de sa propre évolution. Cela suggère qu'en dépit d'une destruction généralisée, suffisamment d'humanité et son infrastructure survivra pour que nous puissions prendre notre place en tant que membre part entière de la communauté galactique. Les scientifiques du PSS ont trouvé des vestiges d'un éclair solaire sur Mars. Les scientifiques du PS ont appris comment les légendes d'une micronova détruisant une grande partie du système solaire sur une base cyclique. Le PS a envoyé des missions pour le confirmer et l'a trouvé sur Mars et la lune afin de préparer l'humanité à la nouvelle choquante. Que notre Soleil a périodiquement généré d'énormes éruptions solaires, des micronovas, qui ont anéanti des civilisations sur différentes planètes. Il a été convenu que la NASA enverrait des missions lunaires pour y trouver du verre noir. C'était le résidu d'une énorme décharge de plasma qui a fortement impacté la Lune et Mars lors d'une éruption solaire antérieure. En effet, des articles scientifiques sont apparus confirmant que le verre noir trouvé sur la Lune était le résidu d'une énorme éjection de masse coronale du Soleil. Notre conscience collective peut atténuer les effets de l'éclair solaire. Nous avons le pouvoir d'influencer la réalité autour de, nos, de nous par nos pensées. Par conséquent, notre conscience de masse peut influencer le Soleil pendant qu'il subit l'éruption solaire qui se produira dans un laps de temps relativement court. Cela se produira pendant un minimum solaire. Lorsque l'héliosphère du Soleil sera assez faible pour qu'un éclair solaire soit déclenché par des ondes cosmiques entrantes, le cycle solaire actuel 24 est sur le point d'entrer dans un minimum solaire qui devrait commencer vers 2019-2020. Après l'éclair solaire, il y aura un événement de conscience majeur sur la planète un mur d'énergie plasma électromagnétique provenant du Soleil déclenchera l'ascension, qui est l'expansion de la conscience. Il sera beaucoup plus facile pour l'humanité de résoudre des problèmes séculaires. Ce sera très littéralement le début des mille, des mille ans de paix sur Terre que l'on prédit depuis longtemps. Ce processus se produira sur toutes les planètes qui traversent événement euh, sur toutes les planètes qui traversent un événement d'ascension. Toute la technologie sera détruite par l'éclair solaire dans la chronologie que l'Ansart a montré à CG lors d'une visite. Dans cette chronologie, les extraterrestres se présentent en masse pour aider l'humanité. Beaucoup de ceux qui meurent dans les cataclysmes causés par l'éclair solaire seront recyclés sur d'autres planètes. Donc ici, on est dans une idéologie un petit peu plus, euh, vous le voyez, euh, nouvel âge, là, mais l'essentiel de cette... Pourquoi je vous partage ça, c'est que c'est ici. Donc, il peut avoir... Il y a peut-être eu des événements majeurs de gros flashs et... Ça se produit pendant un minimum solaire. C'est ça qui est important de retenir dans ce papier qui, qui a dans lequel il y a beaucoup de. de, hein, de... C'est très, très euh, mystique, là. Mais euh, l'important, c'est que la NASA se met le nez dans ça pour aller voir s'il n'y a pas eu des événements majeurs, et apparemment, il y en aurait eu de, de, de ces flashs solaires incroyables. Puis ça se produit. Pendant un minimum solaire, parce que, comme je l'ai expliqué souvent, les scientifiques nous disent que, dans un minimum solaire, le Soleil, lui aussi, et son atmosphère, ou son, son espèce de magnétosphère, ce qui garde ses, la plupart de ses rayons dans son, pardon, dans son atmosphère, est très faible. Et il y a plein de trous coronaux qui laissent passer toutes ces éjections de masse. Et c'est là où on retrouve la vulnérabilité de la Terre face à cette explosion, ce flash solaire qui pourrait se produire. Et le 24e cycle est faible et le 25e va être encore plus faible. Et c'est dans cette période-là qu'il pourrait se produire un événement majeur dont on parle souvent c'était cette espèce de, de MP, hein, d'attaque électromagnétique. Mais. Pas provoqué par l'homme, mais cette fois-là par le soleil, et qui viendrait griller tout, 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 euh, toute technologie, toute électronique, tout est électronique de nos jours. Imaginez-vous le simple fait de vouloir mettre de l'essence dans une voiture, tu as besoin de l'électronique. Tout est électronique, toute la machinerie euh, dans les hôpitaux, tous les appareils. Pensez à des gens qui ont des dialyses, pensez à des gens qui ont... Ils sont sous respirateur euh, et penser à tout ce qui est relié. Dans le fond, notre vie tourne autour de l'électricité, de l'électronique et dans une, une, une espèce de, de flash solaire ou d'explosion. Dans le fond, c'est de ce dont on parle ici, c'est un EMP, hein, c'est un, une, une grande charge électromagnétique, une pulsion électromagnétique et <coughs> on serait complètement vulnérable à tout ça. C'est parler, c'est raconté d'une façon plus euh, hein, euh, nouvelle âgeuse, là, mais euh, n'empêche que faites fait abstraction de cet aspect euh, mystique. Il y a vraiment quelque chose là-dedans qui rejoint tout le monde. Donc la NASA a été créée pour étudier un événement solaire massif, selon Gould. La continuité des espèces a été la carotte utilisée pour rassembler les nations dans un effort scientifique conjoint pour étudier une pos un possible événement d'éclair solaire micronova qui pourrait anéantir une grande partie de la population. Ben, la population serait anéantie dans le fait que si tu plus accès à rien, s'il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est certain que les plus vulnérables, les plus faibles et plein d'autres euh, vont suivre aussi hein, dans, dans la mort. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus de réfrigération. Il n'y a plus rien, rien, rien. Donc, des billions de dollars sont, des milliards de dollars sont consacrés chaque année au financement de la multinationale PSS pour la construction d'un navires massif similaire. Hein, on parle de. Naturellement, vous voyez toutes les élites, les Jeff Bezos de ce monde, les Elon Musk essayer de s'enligner vers l'espace. Donc, c'est très 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 intéressant comme papier dans le sens où donc pour se préparer pour le flash solaire, ils appellent ça un flash solaire, mais c'est un événement EMP dans le fond, hein, un, un événement électromagnétique, une pulsion électromagnétique, ou une grosse tempête géomagnétique, et ça c'est sûr que ça va se passer dans un grand minimum solaire et la santé des gens va être affectée aussi. Hein? Donc, chers amis, c'est très intéressant comme papier. Et c'est certain qu'une fois que ça, ça va frapper, et on le sait, on, il y a plein, plein de, même de, de, de politiciens sérieux. Knut Gingrich, un, un ancien speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis, avait écrit un livre là-dessus. Comment réagir, parce que ça prend, c'est une fraction de seconde. Hein, une fois que ça, ça frappe, tout est grillé, comment réagir à ça? Les, les jours qui suivent. Hein? Et euh, je peux vous dire une chose, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a eu un changement de pôle il y a environ 11 000 ans cela correspond à la fin catastrophique de l'Atlantide vers 9600 ans avant Jésus-Christ. Les rayons cosmiques frapperont de plus en plus la Terre et provoqueront des tremblements de terre majeurs. Les supervolcans comme Yellowstone sont susceptibles d'être déclenchés par les ondes cosmiques. Je vous en parle souvent, les rayons cosmiques galactiques ont été augmentés de 19%. Et ça, en raison du minimum solaire actuel et de l'affaiblissement de la magnétosphère. Exactement ce que je vous dis depuis, euh, ceux qui me suivent depuis longtemps. Affaiblissement de la magnétosphère, grand minimum solaire, augmentation des rayons cosmiques galactiques. Wow! C'est vraiment, vraiment très, très intéressant et surtout très inquiétant.